À Chypre, les banques restent fermées pour le 11e jour consécutif et ce jusqu'à jeudi. Décision du ministre des Finances par crainte d'une fuite massive de capitaux. Le plan de sauvetage européen n'a pas calmé toutes les incertitudes sur l'île. Première victime de ce plan, le président de Bank of Cyprus, la banque la plus importante du pays, qui a démissionné. La pilule à l'origine de 20 décès par an en France, c'est un rapport de l'agence du médicament qui l'affirme. Toutes générations confondues, les pilules entraînent chaque année plus de 2500 accidents par formation de caillots dans les veines et 20 décès prématurés. Deux bébés retrouvés dans le congélateur d'une maison à Ambérieux. Dans l'un, la mère, qui avait déjà été condamnée à 15 ans de prison pour infanticide en 2002, a avoué avoir tué ses deux petits garçons en les noyant. Les deux bébés sont nés début 2011 et à l'automne 2012, très peu de temps après sa sortie de prison. En Italie, nouveau rebondissement dans la saga autour du meurtre de Meredith Kercher en 2007. La cour de cassation annule l'acquittement de l'américaine Amanda Knox et de son ex-petite amie. Meredith Kercher, une étudiante, avait été retrouvée à demi nue, violée, le corps transpercé de 43 coups de couteau dans l'appartement qu'elle partageait avec Amanda Knox. Angelina Jolie en visite au Rwanda et en RDC, accompagnée du ministre britannique des Affaires étrangères. La femme de Brad Pitt, envoyée spéciale du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, veut attirer l'attention sur les viols de guerre, notamment dans le Nord Kivu.